Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le cinquième dimanche de Pâques de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, dans l'Évangile de Jean, Jésus se définit souvent comme « Je suis ». Je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis l'eau vive. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ se définit comme étant la vigne dont nous sommes les sarments. Chers frères et sœurs, Dieu notre Père veut que nous portions beaucoup de fruits, et c'est normal. Il est notre Père et il nous aime. Un vigneron plante la vigne et la cultive dans l'espoir qu'elle puisse donner un fruit abondant. Il en est ainsi pour tout arbre fruitier. Car lorsque Jésus dit « Moi je suis la vigne, et vous, les sarments, il dit, en de termes plus simples, « Je suis l'arbre et vous les branches. » Jésus insiste, « C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. » Chers frères et sœurs, nous avons été choisis. Dieu nous a regardés avec bienveillance. Par le baptême, il nous a graissés sur la vigne qui est son Fils Jésus-Christ. Ainsi, c'est l'union au Christ qui nous fait donner du fruit, qui nous fait porter du fruit, parce que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. Et notre Seigneur Jésus-Christ est clair. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Demandons-nous ce matin, combien de choses, chers frères et sœurs, avons-nous voulu entreprendre et faire loin de notre Seigneur Jésus-Christ et sans lui? Chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite dans l'Évangile de ce dimanche à une intimité profonde dans la confiance. Et c'est ainsi que nous pourrons véritablement porter du fruit. La question que nous pouvons nous poser alors ce matin est la suivante. Pour être de bons sarments et porter du fruit, comment rester greffé solidement à la vigne de Jésus-Christ? Un premier moyen, frères et sœurs, est la prière. Notre prière personnelle et communautaire, notre participation joyeuse et fidèle
aux célébrations paroissiales. Un deuxième moyen, frères et sœurs, est de nous mettre régulièrement à l'écoute de la parole de Dieu, la méditer, la ruminer, l'intérioriser et l'interpréter concrètement dans nos choix et nos actes au quotidien. Un troisième moyen de rester greffé à Jésus-Christ, chers frères et sœurs, est de reconnaître la présence de Jésus dans le visage et la vie de nos frères et de nos sœurs, avec une attention toute particulière à ceux qui rencontrent des difficultés, qui souffrent, à ceux qui sont découragés et qui sont rendus vulnérables à cause des événements de la vie. Un quatrième et dernier moyen de rester greffé à Jésus-Christ, chers frères et sœurs, consiste à ne pas avoir peur de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ, de parler de notre foi par des actes concrets. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous donnons une vraie place à son Esprit Saint dans notre vie et dans notre cœur, il n'y a aucune raison de nous inquiéter, frères et sœurs. Nous pouvons devenir ses disciples, ses apôtres dont le Seigneur a besoin pour que le monde, pour que notre humanité porte des fruits de justice, de paix et d'amour. L'exemple nous est donné dans la première lecture de ce jour. Pierre, Paul nous dit, dans la personne de Paul, nous connaissons son histoire, l'expérience bouleversante de sa rencontre avec le Seigneur a changé sa vie, a changé l'Église. Alors, frères et sœurs, pouvons-nous nous dire ce matin, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout au long de cette Eucharistie, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de cette intimité profonde avec lui pour que notre vie soit un témoignage pour nos frères et nos sœurs qui partagent notre vie au quotidien. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Thank you.